Congo number one. Hein? Il n'y a pas deux quoi. Donc, Balobi, Congo ya yambo. Congo moko na mokili. Congo number one. Numéro Congo moko na mokili. Congo number one. Taka nga moko sonia number one. Congo number one. Congo number one. Congo number one. Congo number one. Number one. Number one, Congo number one, toujours number one, Congo is number one. Hein? Oh, Botunai, Ngalema, Niniva, Congo number one, meilleur. Congo, 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 number, number, one, one, one. Donc numéro un, c'est encore numéro un. Donc Batunio, c'est la yébi, donc il faut qu'on compte pas dans la Congo number one, toujours number one. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir répondu nombreux, manifestement, à mon invitation de ce jeudi 30 mai 2013. Notre échange de ce jour s'articulera autour de deux axes. D'abord, la politique intérieure et ensuite, la politique extérieure. Alors, en ce qui concerne la politique intérieure, je vais, d'entrée de jeu, apporter une précision claire à propos de la nouvelle ayant défrayé la chronique ces derniers temps et qui porte sur ma supposée participation à la nouvelle CENI. J'affirme ici et à la face du monde, avec force et énergie, que je ne suis pas candidat au poste de rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie. Et que cette question n'a jamais été à l'ordre du jour de l'agenda de mon parti. D'autre part, je tiens à marteler qu'il n'y a l'ombre d'aucun désaccord entre mon président de pair et moi sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Toutes les spéculations observées à ce propos sont sans objet. L'actualité est aussi très marquée par la fracture depuis le 28 novembre 2011 entre un régime au nid qui s'accroche aux commandes des affaires de l'État et la grande majorité de notre peuple qui est silencieuse et dont les conditions d'existence deviennent de plus en plus inhumaines. Et alors qu'elle avait porté son choix de façon claire et sans équivoque sur le candidat numéro 11, porteur du projet du changement, j'ai cité M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le président élu de la RDC. Les rapports du PNUD sur l'indice du développement humain de ces trois derniers exercices, donc l'exercice 2010, 2011 et 2012, le rapport Doing Business et bien d'autres rapports en disent long sur le gâchis qu'a constitué cette escroquerie électorale. C'est dans ce contexte qu'il faut placer toute la distraction due à une lecture biaisée de la situation politique et géostratégique de la RDC. Dialogue pour les uns, concertation et cohésion nationale pour les autres. Une manière très subtile de chercher à légitimer un homme et sa clique dont le seul but est de se maintenir militairement au pouvoir et de diriger la RD Congo par défi. Voilà ce que j'avais à dire sur la politique intérieure. Et en ce qui concerne la politique extérieure, vous savez très bien que l'actualité de celle-ci reste dominée par les tentatives de la mise en application de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix dans la région des Grands Lacs.
Comme nous le savons tous, d'une part, la RDC et tous les signataires du dit accord, la RDC donc constitue le maillon faible du fait de l'absence d'un leadership fort, respectable et jouissant de la confiance et donc de la légitimité de notre peuple. Et d'autre part, l'accord n'intègre pas les exigences politiques intérieures dans le chef de deux des signataires, très impliqués dans le drame vécu par notre peuple à l'Est, et dont les accointances avec l'oligarchie militaro-affairiste du statu quo à Kinshasa est un secret de polichinelle. Ce qui rend, d'ailleurs, très aléatoire cette mise en application. Donc nous sommes très sceptiques à ce propos. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie pour votre attention et je me mets à votre disposition dès cet instant pour d'éventuelles questions. Tout le monde sait, vous avez aussi été élu député national. Vous avez respecté l'ordre, le mot d'ordre du parti, de votre père aussi, qui ne voulait pas que vous siégez au Parlement. Alors, on parle de plus en plus de vos relations personnelles avec M. Sami Badibanga. Il semblerait même, selon certaines informations, bien que vous ne siégez pas au Parlement, mais vous continuez régulièrement à toucher l'argent du Parlement à travers Sami Badibanga. Qu'en est-il de cette affaire? Merci. Vous verrez bien télévision et tout, puis dans la FM. Allez. En fait, ma première préoccupation, c'est un rapport avec... d'abord, je vais savoir la position de l'IDPS sur l'appel lancé par le secrétaire général des Nations Unies où elle a demandé au gouvernement de reprendre les négociations au niveau de Kampala entre les gouvernements et les groupes. Quoi, quelle est la position de l'IDPS par rapport à cet appel-là? Et surtout, l'appel du président tanzanien qui a demandé au Rwanda et au Uganda de négocier d'abord avec le Rwanda, de négocier avec les rebelles des FDLR et puis Uganda de négocier avec les ADNF, en fait les rebelles ougandais et puis la RDC de négocier avec les M23. Oui, mes relations sont bonnes, je ne m'en cache pas. Mais il n'y a pas qu'avec lui, avec tout le groupe parlementaire de l'UDPS, en fait. Mes relations sont bonnes. Je crois que parmi mes amis qui m'accompagnent, il y en a un, l'honorable Moder Pita, avec qui je suis venu dans la même voiture. Donc c'est vous dire que les rapports sont très bons. Et à propos de ce que vous avez demandé en sous-question au sujet des émoluments, d'abord, je trouve que ça, c'est une distraction. Avant de répondre à votre question, je trouve que c'est une distraction, c'est un détail. Que ce soit vrai ou faux, je ne pense pas que c'est ça qui va empêcher à la République de tourner. Mais je vous le dis quand même, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mais je vais le rendre vrai bientôt. Parce que je crois que mes électeurs ont le droit de profiter de ces émoluments. Oui, je les prendrai bientôt, mais je les confierai à chaque mois que je les aurai. Je les affecterai à une activité quelconque à Mujimaï, fief de mon électorat. Voilà. Au sujet de la position de l'UDPS par rapport à la déclaration du secrétaire général de l'ONU, c'est quand il recommande au pouvoir de Kinshasa de négocier avec le M23. Ben, nous avons toujours pensé à l'UDPS que le M23 est le soi-disant pouvoir, parce que nous ne le considérons pas comme le pouvoir. Vous savez que c'est un pouvoir d'imposteur qui se maintient à la tête du pays par la force, par défi. Et donc, nous les avons toujours considérés comme bonnet blanc et blanc bonnet. Pour nous, il n'y a pas de différence. Ils émanent tous de la même centrale. Je n'ai pas besoin de vous montrer... vous indiquer cette centrale. Donc pour nous, c'est sans objet. La vérité, en fait, la solution, plutôt je dirais, se trouve dans la vérité des urnes. Il y a eu dans ce pays un hold-up électoral. Et aujourd'hui, je suis bien placé pour vous le dire, parce que j'ai parcouru le monde pour le dénoncer. Il n'y a personne dans la communauté internationale qui en doute.
Le Congo a été, le peuple congolais a été volé le 28 novembre 2008, de sa victoire. Et donc, nous avons toutes les raisons de penser que toutes ces acrobaties faites du côté de l'Est en vue de faire, d'aplanir les quelques divergences qu'il y a dans cette centrale, ne régleront pas les problèmes globaux de la République démocratique du Congo. Il y a un problème crucial qui touche à ce pays, c'est le problème de la légitimité du pouvoir. Le peuple ne se reconnaît pas dans ceux qui se présentent comme ses élus ou ses représentants, et le peuple réclame justice. Tant que cela ne sera pas fait, les esprits ne seront jamais apaisés et nous ne parlerons jamais de paix véritable en République démocratique du Congo. Alors, au sujet de ce qui concerne ce que vous avez dit, la position du Rwanda, enfin les recommandations pour le Rwanda et l'Ouganda, mais nous pensons que c'est vrai, parce que ça, si vous vous souvenez bien, ça constituait le prétexte majeur de la présence du Rwanda et de l'Ouganda au Congo. Donc, au départ, c'était la poursuite des rebelles qui se cachaient chez nous, sur notre territoire. Et nous avons toutes les raisons de croire que si demain le Rwanda aussi ouvre des négociations, des discussions, le Rwanda et l'Ouganda, s'ils ouvrent des négociations, des discussions véritables avec leur rébellion, mais pas seulement celle-ci, il y a aussi des opposants. N'oubliez pas qu'au Rwanda, il y a la dame Victoire Ingabire qui est injustement emprisonnée. Donc, s'ils ouvrent de véritables discussions, en se regardant les yeux dans les yeux avec leurs compatriotes, nous pensons qu'on va parler de paix. Idem pour la République démocratique du Congo. Nous sommes pour un dialogue véritable, mais sous l'égide évidemment de la communauté internationale, parce que nous n'allons pas participer à un dialogue convoqué par des usurpateurs. Voilà. Alors, au sujet de la CENI, vous parlez d'erreurs, etc. Mais une fois de plus encore, je vous dis, la République démocratique du Congo appartient à tous les Congolais. Il ne faut pas seulement être de l'UDPS, je suppose en tout cas, pour être conscient du bien fondé de ce qui doit, de ce qu'il y a de bien pour le Congo. C'est-à-dire, au Congo, nous avons besoin d'un état de droit pour que ce pays décolle. Nous avons besoin d'institutions crédibles, stable et forte. Mais pour ça, nous avons besoin de faire participer le peuple à la désignation de ces personnalités-là. Et tant que ce circuit ne sera pas respecté, il n'y aura pas en République démocratique du Congo une paix et une stabilité qui nous permettraient enfin de penser à notre développement. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, que ce soit quelqu'un de l'UDPS, parce que, attention, nous ne sommes pas parfaits aussi chez nous, ou quelqu'un d'autre, peu importe qui doit être à la CENI, ceux qui doivent y être doivent être des gens consciencieux. On ne doit pas avoir affaire à des brigands, passez-moi l'expression, comme ceux qu'on a vus au cours des dernières élections en 2011. On ne doit pas avoir affaire à des gens comme ça, mais plutôt à des patriotes, des gens qui se soucient de l'avenir de leur pays et qui veulent des élections crédibles et démocratiques. Et pour ça, il ne faut pas seulement être de l'UDPS. Nous avons gagné les élections du 28 novembre 2011, mais nous sommes maintenant devant une escroquerie qui a été électorale d'abord et maintenant qui est politique et qui fait qu'elle nous prive de l'effectivité du pouvoir. Donc le problème auquel l'UDP s'est confronté aujourd'hui, c'est celui d'avoir l'effectivité du pouvoir. Et non de se situer dans l'opposition ou au pouvoir. Et je vous mets même au défi, vous verrez que cette histoire du porte-parole de l'opposition, soi-disant, n'aura jamais lieu. Ça se passera comme dans la législature d'avant, avec le MLC qu'on a embrouillé, et puis après l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, c'est resté l'être monde. Ce sont les jeux et les manœuvres de ceux que nous combattons
et ceux à qui nous demandons d'arrêter de jouer comme ça avec la vie des Congolaises et des Congolais. Parce que ça ne va pas durer longtemps, ce petit jeu-là. Avant eux, il y a eu un dictateur encore plus redoutable qui s'appelait Mobutu Sese Seko, et on connaît son sort. Donc je ne pense pas que ce petit jeu va continuer longtemps. Il commence à lasser tout le monde, je vous en conjure. Et je crois que ils en mordront les doigts de continuer comme ça à se moquer du peuple, c'est très bien. Alors, en ce qui concerne la politique de la chaise vide, moi je ne sais pas pourquoi on fait toujours ce procès à l'UDPS. L'UDPS est toujours inscrite, vous savez, nous ne sommes pas un mouvement armé. Parce que les mouvements armés qui visent le pouvoir, leur but est de prendre les armes, de faire de la violence, quelle qu'elle soit, et d'arriver à leur fin. Tandis que nous, nous avons pris le chemin le plus difficile, le plus long aussi, qui consiste à conscientiser la population et au fur et à mesure qu'elle prend conscience du mal qui la frappe, eh ben, elle va se rébeller, se révolter, se soulever, c'est même le terme, se soulever contre le pouvoir qui l'opprime. Et donc, dans tous les agendas qui ont consisté à amener un ordre politique, mais vraiment pacifique, l'UDPS s'y est trouvé. À la conférence nationale souveraine, nous y étions. On n'a pas fait du tout la chaise-vide. À Saint-City, nous y étions, mais on n'a pas fait la chaise-vide. Et aujourd'hui, nous disons, nous sommes pour un dialogue parrainé par la communauté internationale et qui amènerait encore, justement, à sortir de la crise dans la paix. Parce que l'autre alternative, c'est sortir de la crise dans le désordre. Nous ne sommes pas preneurs, mais je sais que beaucoup sont prêts à y aller, quitte à sauver le pays ou à le libérer. Mais bon, j'ai beaucoup de doutes à ce sujet. Vous savez que ceux qui s'accrochent au pouvoir contre la volonté du peuple aujourd'hui sont venus un certain 17 mai 1997 en libérateur. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. Que je me déplacerai pour Mbujimayi parce que j'ai prévu d'aller leur dire bonjour et de leur annoncer que ben, de temps en temps, selon les projets, ils recevront une aide de ma part, venant de mes émoluments. Ceux qui me sont réservés. Voilà. J'ai confiance dans le peuple de Mbujimayi. Je sais qu'il s'inscrit à 100% dans la logique de son président, de notre président, Étienne Tshisekedi, et de l'UDPS, notre parti. Je ne pense pas, parce que je ne l'ai pas du tout perçu, il y en a beaucoup qui ont mon contact, qui me contactaient d'ailleurs, que ce soit quand j'étais en Europe et qui me contactent encore depuis que je suis ici. Je n'ai rien perçu de tel. Mais bon, comme je le dis, on va le vérifier, on va pouvoir le vérifier. Ça, c'est un bon baromètre, le contact avec le peuple. On va vérifier s'ils sont vraiment mécontents. Mais je crois qu'ils ne peuvent pas l'être parce qu'ils ont compris. Et nous avions tous compris que même si ce n'est pas ici le lieu de juger nos amis, qui restent nos amis d'ailleurs, qui ont été au Parlement, et on a tous compris, et eux d'ailleurs les premiers, que cette bataille était perdue d'avance. À partir du moment où on avait fabriqué une majorité à l'Assemblée, une majorité qui serait le soutien de la famille politique de Joseph Kabila, eh bien, la bataille était perdue. Parce qu'en plus de s'être fabriqué cette majorité, ils usent de menaces, corruption et de plein d'autres choses qui font qu'ils veulent se maintenir par défi. Et donc, je ne crois pas que le peuple qui m'a élu à Mbujimayi ne sache pas ça et qu'il me condamne de ne pas m'être mêlé à cette bataille perdue d'avance. Pourquoi maintenant? Parce que d'abord, c'est mon pays. Je viens et je pars. C'est pour des questions d'agenda, tout simplement. Je suis secrétaire aux relations extérieures et donc pendant que je dis oui je veux partir et puis il y a
un rendez-vous qui se dessine. Je retarde mon départ parce qu'il faut que j'honore ce rendez-vous et que finalement je vienne faire rapport à mon président. Donc ne comprenez en tout cas aucune manœuvre de ce côté-là, même si je sais que c'est très difficile de comprendre cela. Enfin, j'ai fait un an à l'extérieur parce que vous savez, la bataille était rude. Il fallait convaincre la communauté internationale de ce que étaient ces élections. Des élections donc totalement biaisées et un candidat qu'on a spolié de sa victoire. Donc moi je me dis satisfait du travail parce que je crois que vous avez vu le comportement du président français lors de la francophonie, du sommet de la francophonie ici. Je crois que nous sommes, je dirais, à la base de ce comportement. Grâce à notre diplomatie, nous avons informé suffisamment, nous avons mis les pressions, nous avons demandé des signaux forts. Et je crois que ce qu'a fait le président Hollande a démontré qu'il n'y avait au Congo, en tout cas, pas de chef de l'État, pas celui qui se dit chef de l'État. Donc, je pense avoir été assez clair. C'est pour ça que je suis resté à l'extérieur, parce qu'il fallait dire aux partenaires, marteler suffisamment que le Congo ouvre tout droit devant une période d'instabilité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez encore qu'au mois de novembre ou de novembre 2011 ou de décembre 2011, j'allais dire, ou de janvier 2012, j'étais intervenu sur les antennes de la chaîne française France 24 et j'avais déjà prévenu la communauté internationale de l'instabilité qui pointait à l'horizon si on ne courait pas au chevet du Congo en essayant de trouver des solutions. Et aujourd'hui, vous entendez que même dans le camp des usurpateurs, ils parlent même de concertation, évidemment ils maquillent les termes, mais en fait ils ont besoin, ils ont compris que cette instabilité arrive à grands pas. L'autre cas, c'est le cas de la CENI. La CENI conduite par ceux que j'ai appelés les brigands de 2011, mais elle avait pour durée 6 ans. Pourquoi est-ce qu'après 2 ans, on dissout cette CENI pour en mettre une autre en place? Ça veut dire qu'il y a un malaise. Donc tout ça est une crise qui démontre à suffisance que le pouvoir en République démocratique du Congo n'a pas de légitimité. Et ça, il fallait l'expliquer à nos partenaires. C'est ce qui a c'est ce qui a fait que je sois resté aussi longtemps en dehors du pays. Et je reviens parce que c'est mon pays et parce que ma base a besoin de moi. Je vous ai parlé de mon retour à Mbujimayi. J'irai à Mbujimayi, je vais leur dire bonjour parce que les circonstances dans lesquelles se sont déroulées s'est déroulée la fin des élections, vous les connaissez, ces circonstances, elles ont fait que je n'ai pas pu remercier ma base, mes électeurs, et je n'ai pas pu leur expliquer le pourquoi de mon départ précipité, d'abord pour Kinshasa dans un premier temps, et ensuite pour l'Europe. Voilà, c'est pour ça que je suis revenu. Alors, vous avez parlé de légitimité. La légitimité sur laquelle nous pouvons. Mais ça encore, c'est un mal que j'ai toujours attribué comme ça aux Congolais. Nous avons la mémoire très courte au Congo. Vous savez que, je crois, rien que le cas du Rwanda voisin ici, les Rwandais, jusqu'à ce jour, continuent de célébrer leurs victimes. Casarima.fr vous présente le groupe Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi.
4 DVD est enfin disponible. Adorons le grand roi avec le groupe Royaume Éternel, avec des chants tels que Bénis le mariage, Adorons le grand roi, c'est votre DVD. Adorons le grand roi avec le groupe Royaume Éternel. Royaume Éternel, c'est votre groupe. Un DVD pour toute la famille. Papa, la kisa bananzila ya nzambi tamu bazana miyoko. Maman, papa, grand-père, grand-mère, ce DVD est pour vous. Royaume Éternel, un DVD disponible chez tous les revendeurs agréés. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. Adorons le grand roi, Ponali Bota Mobile. Lorsque nous faisons des manifestations, nous n'arrêtons pas d'évoquer cela. Et nous, les cadres, nous qui sommes cadres du parti, lorsque, à chaque occasion que nous avons de rencontrer des représentants des pouvoirs de ces pays, nous le leur rappelons et ils s'en émeuvent, évidemment. Mais je pense, vous avez raison de le dire, que c'est à l'UDPS, d'abord, de bouger et de montrer qu'elle n'est pas d'accord avec cet état de fait, cet état de choses. Mais pour cela, il faudrait que nous en discutions entre nous et que nous organisions les choses de cette manière-là. Parce que, vous avez raison, c'est inacceptable, on ne peut pas continuer à voir notre président dans cette situation. Donc, peut-être que vous aurez la réponse à votre question au sujet de ce que fait l'UDPS dans les jours à venir, parce qu'il faudrait que nous fassions maintenant une manifestation, que nous manifestions notre désaccord ouvertement avec cet état de choses. Effectivement, les amis m'avaient non pas désigné, parce qu'ils n'ont pas déposé, je n'ai pas été officiellement désigné ou retenu, mais ils ont pensé à moi. Ils m'ont appelé pendant que j'étais encore en Europe pour me faire part de leur volonté. Mais évidemment, j'avais très gentiment repoussé cette offre en leur disant que j'appartenais à un parti et que je ne recevais des ordres que de ce parti. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont officialisé ou rendu officielle la nouvelle, pour que ça suscite peut-être des remous dans l'opinion et que ça puisse peut-être faire bouger les choses en leur faveur. Mais ce n'est pas le cas. Et quand je suis revenu, j'ai perçu ce bruit, mais alors, ce n'était même plus un bruit, mais ça devenait vraiment un tonnerre qui commençait à me déranger. Voilà pourquoi j'ai fait cette sortie, pour dire ouvertement que je n'ai jamais été candidat et que je ne le serai pas. Vous savez que nous sommes en politique et que on avance toujours masqué en politique. Donc, ce n'est pas ici le lieu
où je vous dirai en détail ce que nous sommes prêts à faire comme concession, si d'ailleurs il y a lieu de faire des concessions. Mais la seule, si pour vous satisfaire, enfin pour répondre à votre question, que nous puissions faire, je vous l'ai dit, c'est de participer à un dialogue. Vous le savez, je vous le dis, mais vous le savez, nous avons été victimes d'un hold-up électoral. Et donc, si nous acceptons, malgré ça, d'aller à un dialogue, je crois que c'est quand même par amour pour le peuple congolais, pas pour Joseph Kabila, mais pour le peuple congolais, que nous pensons être dans une souffrance innommable et qu'il y a besoin qu'on le soulage avec, en mettant fin à cette crise. Voilà. Donc, si on peut parler de concession, c'est celle-là déjà. Voilà. Alors, cette question, vous savez, la deuxième, là, à propos de l'intégration, la participation, etc. Bon, je crois qu'il y a peut-être un problème de lecture dans le chef de ceux qui nous jugent, hein, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui nous comprennent aussi à côté de cela. Hein. Vous avez parlé des cadres de l'UDPS, ou de certains cadres, vous dites, et peut-être dans la population, c'est une certaine population. Parce que croyez-moi, le nombre de témoignages que nous recevons aussi, nous encourageant, des témoignages aux Congolais, hein, nous encourageant dans notre position, sont aussi nombreux. Hein. Et je vous donne le cas de cette histoire de la CENI. J'ai reçu plus de réprobation à ma participation que d'encouragement. Donc il faut aussi le prendre en compte. Le Congolais pense souvent que ce que lui a dit, c'est vérité d'évangile, donc il faut absolument que ça se passe comme ça. Non. Je vous ai dit, nous sommes en politique. Et en politique, malheureusement, on considère comme un privilège. Mais moi je ne trouverai pas cela un privilège, que mon nom soit inscrit dans la liste noire de ceux qui ont volé la... Est-ce qu'ils travaillent pour la volonté du peuple ou pas? Et lorsque nous refusons de rentrer dans ce jeu, parce que vous parlez de participer à des institutions, etc. Oui, d'accord, c'est très bien, c'est une logique. Mais il faudrait aussi peser le pour et le contre pour savoir si cette participation peut apporter quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, en politique, on ne met pas tout sur la table, on a des laboratoires, chacun dans son parti. Nous analyserons tout ça le moment venu. Ce n'est pas ici le lieu de le faire, mais vous le découvrirez. Ce que je veux et que vous sachiez, c'est que l'UDPS a toujours pour souci l'intérêt du peuple. Et si c'est ce même peuple qui se met maintenant à cracher sur nous, parce que nous privons de tous ces soi-disant privilèges pour ne pas lui poser du tort, alors là je ne comprendrai plus rien. Le dialogue que nous refusons, mais je ne crois pas que c'est un dialogue à la sauce Kabila qui va régler les problèmes de l'Est. Soyons sérieux. Nous, à l'UDPS, nous disons que plus de 50% du problème de l'Est et du Congo en général, plus beaucoup, je serais même à 90%, tourne autour de Joseph Kabila. Sa complicité, sa faiblesse, son incompétence, tout ce que vous voulez, c'est ça la raison d'être du problème de l'Est. Le jour où le leadership change dans ce pays et qu'on a un leadership responsable, un leadership qui se penche sur les vrais problèmes du Congo et des Congolais, eh bien, nous aurons déjà un début de réponse. Quand le Rwanda se permet de traverser sa frontière sans demander à qui que ce soit et de venir se comporter au Congo comme un territoire conquis, mais c'est parce qu'il n'y a rien en face ou parce qu'il croit qu'il y a droit ou parce qu'il a été carrément autorisé à le faire. Donc, dans tous les cas, cette histoire de l'Est n'est que de la poudre aux yeux qui consiste à faire croire que c'est une guerre véritable, etc. Non, c'est une guerre d'invasion. Une invasion autorisée ou non, en tout cas, qui est là, qui est permise maintenant par le fait que nous n'avons pas de leadership responsable au Congo. Donc, de grâce, arrêtez de voir des responsabilités ailleurs en disant que l'UDPS doit faire quelque chose. Oui, l'UDPS fait quelque chose, elle l'a fait. Nous l'avons fait le 28 novembre en réussissant à faire élire notre candidat à la présidence parce que nous pensions que lui, au moins, arrivé à la tête du pays, allait changer le sort des Congolais.
Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Nous continuons à nous battre pour que la vérité des urnes soit rétablie, que la justice soit rétablie. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les problèmes de l'Est seront réglés. Arrêtez de croire que la solution elle est dans le comportement de l'Ukraine ou dans la prise de pression. Non, dit solennellement, je ne me suis pas déclaré successeur de mon président pour le moment. Non. C'est une question à laquelle je vais réfléchir le jour où il ne sera plus président du parti. Donc en disant réfléchir, c'est soit pour moi-même ou soit pour appuyer un autre. Mais croyez-moi, je le dis vraiment la main sur le cœur, je ne pense pas un seul instant à ce poste-là pour le moment parce que j'estime que c'est lui qui le mérite et j'estime que c'est lui notre meilleur atout pour arriver, il l'a prouvé d'ailleurs en novembre de 2011, pour arriver au pouvoir dans ce pays. Donc il serait suicidaire de ma part d'envisager ce poste-là. D'autre part, ceux qui font des calculs malins, subtils comme ça, sur la présence ou non de notre président en 2016, et donc il faut commencer à se positionner, commettent énormément une erreur, parce qu'ils n'ont pas la preuve que... ils survivront à Étienne Tshisekedi. Beaucoup de plus jeunes que lui sont partis déjà sous terre et lui il est là encore. Hein. Bon, voilà. Donc ces spéculations-là, il ne faut pas les faire parce que l'avenir appartient à Dieu seul.